La tribu Lomo dans la commune de Sakassou fait de la promotion de son patrimoine culturel et la transformation de ses produits locaux des piliers de son développement. Depuis 2 ans, la tribu a son festival. Ce rendez-vous annuel dénommé Festival Lomo Moyé vise à promouvoir, préserver, sauvegarder les us et coutumes et mettre un accent sur la production et la transformation du vivrier. Nous souhaitons que la tribu Lomo puisse faire revivre sa culture. Tout ce qui a disparu doit renaître. Alors, et aussi encourager l'activité économique. Nos mamans qui se battent dans l'agriculture, elles se sont réunies en coopérative. Aujourd'hui, elles ont réussi à. Elles sont sur la voie de l'industrialisation du Congondé. Aujourd'hui, le Congondé de Lomo se vend jusqu'en Europe. Des prestations des danseurs patrimoniales en voie de disparition, dont le Gouli, des atouts culturels et culinaires, la promotion du tissage et du port du Pagne-Baoulé ont meublé le festival. Le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, amoureux de la culture, était aux côtés des populations de la tribu Lomo. Jean-Claude Kouassi, parrain du festival, félicite les initiateurs pour cette politique de promotion de la culture. C'est un moment pour célébrer ensemble le riche patrimoine culturel baoulé et rechercher les voies et moyens de le pérenniser et de le transmettre ainsi aux générations futures. Ce festival permet aussi de faire la promotion de la transformation des produits vivriers. Les femmes de l'association des coopératives agricoles des Amazones de Lomo, productrices et transformatrices de manioc, ont reçu un tricycle de la part du ministre gouverneur. Elles sont aussi soutenues par leur marraine. Le message que je peux leur laisser, c'est de continuer. Déjà, pour elles, c'est vivre de ce qu'elles produisent. Mais c'est les encadrer aussi pour qu'elles produisent mieux et qu'elles puissent vivre vraiment décemment de la production qu'elles font. La deuxième édition du festival Lomo Moyé a eu pour thème « Préservation de la culture pour un développement harmonieux ». La tribu Lomo dans le département de Sakassou compte 9 villages.